Bonjour les amis, puisque nous sommes en confinement, au retour des fêtes jusqu'au 11 janvier, nous allons, moi et M. David, allons vous proposer 4 capsules, une quotidienne, donc une par jour, avec des thèmes différents. Mais à chacune de ces capsules-là, vous allez avoir une partie où il va y avoir un petit entraînement qu'on te demande de faire 3 fois, d'accord? Puis, à la fin de la capsule, il y a des informations au niveau de la santé ou de la sécurité sur différents sujets. Alors, comme nous sommes en confinement, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir à l'extérieur de la maison. Il est très important de pouvoir jouer à l'extérieur, de prendre l'air. Alors, on va avoir des capsules pour que tu puisses faire tes entraînements à l'extérieur. Les amis, première capsule du jour. Alors, à la fin de l'année, en juin prochain, tu vas être invité à participer à la course des jeunes que plusieurs connaissent. Et ceux qui étaient ici il y a 2 ans, il y a le Tri-Bosco, donc le triathlon de l'école Saint-Jean-Bosco. Alors, pour bien réussir ces deux activités-là, on te suggère un entraînement que notre ami Arnaud, que je vais vous présenter tantôt, va faire. Et on te suggère de faire les exercices 3 fois. Alors les amis, pour l'entraînement du jour, notre ami Arnaud va venir faire la démonstration des différents exercices qu'on te suggère très fortement de faire 3 fois. Alors le premier exercice, les push-ups. Les exercices, tu les effectues pendant 15 secondes à chaque fois. Donc Arnaud se place, le dos bien droit, il descend et remonte bien entendu. 15. Et on enchaîne ensuite avec les fentes avant. Très bien. Donc, il fait juste avancer la jambe, plie ses genoux et remonte. Et bien entendu, il change de jambe à chaque répétition. 13, 14, 15. Le prochain, le super-héros préféré de tout le monde, Superman. Donc, Superman, il se place à plat ventre, les pieds au sol. Et là, il va relever seulement les épaules vers le haut, comme ça, sans que les pieds se soulèvent du sol. Poursuit avec le pont. Le pont, il doit se placer sur le dos. Les genoux fléchis, les pieds bien au sol, et il doit relever la taille vers le haut. Excellent, Arnaud. Et on poursuit avec le lever des jambes. Donc, pour le dernier exercice, le lever des jambes, Arnaud allonge ses jambes. Il va soulever ses jambes, tentant de garder ses genoux bien droits, bien allongés, et redescend tranquillement sans toucher le sol, mais ça va être très difficile. Descend et relève. Si c'est difficile, tu peux toujours placer tes mains sous tes fesses. Et voilà, Arnaud le réussit quand même très bien. 13, 14 et 15. Bon travail! Yeah. Et comme on a dit au début de la vidéo, l'exercice, tu peux le recommencer. On te suggère de recommencer 3 fois. Alors les amis, quand on fait de l'activité physique à l'extérieur, à l'occasion, il arrive parfois qu'on ne ressente pas la soif. Donc, il n'y a rien qui t'empêche de t'apporter une bouteille d'eau à l'extérieur et de pouvoir continuer à t'hydrater malgré les efforts que tu fais dehors. Hey, salut les amis! Première petite capsule santé pour toi, en plein hiver comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité à l'extérieur de la maison? Parce que là, ça fait longtemps que tu es à l'intérieur, hein? On est un peu plus pris à l'intérieur de la maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur de la maison? Plusieurs choses. On a divisé ça en 2 catégories.
les activités et les sports. Donc, on va commencer par les sports. Donc, première chose, les sports, le ski de fond, la marche, la course à pied, la glisse, hein, aller au pont, aller aux grèves, aller là où il y a une colline pour glisser, la raquette, le ski alpin, le snowboard, hein, la planche à neige, évidemment. On a aussi le cerf-volant. Si tu as un cerf-volant à la maison, hein, rien ne t'empêche de le faire voler lorsque la température le permet. On a aussi le fat bike, si tu en as un. Sinon, tu peux toujours le louer, ça se loue. Aller jouer au parc. Et voilà. Deuxième section, les jeux à la maison. Tu peux construire un phare, un bonhomme de neige, une glissade. Tu peux fabriquer ta propre glissade à la maison. Hein? Pelleter la neige. On va l'appeler. Pelleter la neige pour se faire une butte de neige, pour glisser ensuite dessus. Tu peux se faire un parcours. On t'a fait une suggestion. On t'a envoyé un défi à la maison avant Noël, hein, de faire des parcours et de nous l'envoyer, de te filmer et de nous l'envoyer. Donc, tu peux t'en faire encore dans la neige, si tu veux. Jouer à la tag, jouer à la cachette avec des amis de ta bulle, évidemment. Et voilà. Donc, je pense qu'on fait pas mal le tour des activités à l'extérieur. Tu peux utiliser aussi ton imagination pour t'inventer des jeux et des sports à faire en plein hiver à l'extérieur. Bonne journée!